Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'opening et surtout de super opening avec donc un nouveau Crystal 5. Donc nous ne l'avons pas encore, nous sommes à 8700 éclats, mais nous avons entre 2 et 3 cristaux 4 étoiles à ouvrir avec potentiellement des cristaux de compétence max, mais nous avons également un cristal de compétence max déjà acté. Donc il y a grand moyen, si je ne le chope pas, je ferai comme j'avais fait sur mon petit compte, c'est-à-dire une vidéo en deux parties. Donc on est parti tout de suite. On va essayer de pas trop faire durer la vidéo, hein. Histoire de. Surtout si derrière j'ai besoin de la monter, donc de mettre deux parties ensemble, pour pas que ça soit trop en mauvaise qualité, quoi, le rendu final. Donc voilà, il y a également un cristal de connexion. Donc on ira ouvrir ça. Et il y aura bientôt une ouverture de super cristaux héroïques. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire avant de partir en vacances. Là j'en ai accessoire. Il va m'en manquer 8 pour l'instant. Il m'en manque 8. Peut-être avec. Donc avec les VS, il y a bien moyen que ça augmente, hein. Mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. On verra avec les événements peut-être, hein, parce qu'il y a utilisation d'objets également. Auquel je ne toucherai pas de récompense tout de suite. Mais voilà, on verra, hein, on verra. De toute façon, si je ne chope pas, c'est pas grave, hein. Allez, on continue, du coup. On continue avec les cristaux d'or que nous avons ici. Vous aurez aussi dans les jours qui arrivent, donc pareil, il y a une vidéo que j'aurais préparée à l'avance avant de partir en vacances. Là, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà parti en vacances, du coup, forcément, parce que là, vous la verrez peut-être dimanche, cette vidéo-là. Et du coup, bah, dimanche, c'est, je serai en vacances, déjà. Donc voilà. Je regarderai un peu vos commentaires quand même, mais je sais pas si j'y répondrai, en tout cas pas à tous, parce que c'est assez compliqué de répondre aux commentaires sur portable. C'est mieux sur PC, j'aurais pas mon PC avec moi. Donc voilà, mais bon. De toute façon, j'y répondrai après, quand je reviendrai chez moi, donc à la fin de la semaine. Je répondrai à tous vos commentaires de la semaine. Il y aura également des vidéos de présentation de la guêpe, de Ghost, qui vont arriver. Donc là, quand ça va arriver, je les ai pas tournées, je les tourne dans quelques heures, là, après cette vidéo. Et je ne sais pas, ça se trouve, je pourrais même tourner une autre vidéo de présentation, par exemple de Massacre, ou de Goldpool, je ne sais pas. Faudra que je vois sur le compte où je vais, sur lequel je vais. Qui a Ghost et la guêpe, eh bien, voir si y a Goldpool ou Massacre. Voilà. Ensuite, Cristal d'éclat. Ok. Les cristaux de QA, on les fait juste après. J'ai 46 cristaux de T4C. D'ailleurs, je pense que bientôt, quand j'aurai vraiment bien, bien, bien enlevé toutes mes, mes T4C, enfin que j'aurai bien encore utilisé des T4C, je pense qu'on pourra recommencer à ouvrir des cristaux de gloire. Les cristaux de gloire d'abord, peut-être quelques cristaux d'éclat de T4C, enfin de fragments, mais pas trop non plus. Enfin, on va essayer de rester raisonnable quand même. À 45 unités, c'est très bien. Ça se prend. Et on a 15 cristaux, donc ça c'est les cristaux qu'on a dans les paliers des events, hein, les nouveaux paliers, donc c'est très bien, 45 unités totalement gratuites, ça me va totalement. Les cristaux d'alliance, donc ça va être pour la GA, des petits boosts, deux petits boosts d'attaque, parfait, ça c'est bien. Ok, on va ouvrir les cristaux d'arène, de l'incollectable, cette fois, les plus gros. En espérant qu'en 15, je dépasse les 5000 unités quand même. Ah la loose, je dépasse même pas 75 unités, sérieux. C'est triste, hein. C'est triste, triste, triste. Bon, il y a eu 45 unités à côté, donc on va dire, ça en fait quand même 100, 100, 120. Alors là, je sais même pas s'il y a des gens que j'ai pas. Cap, je l'ai. On l'a eu d'offert.
Mais je crois pas que j'en ai qui me manquait. Peut-être. Ah si, peut-être X23. Je sais même pas si X23 était dispo dedans. Je ne sais même pas. Ici, je crois qu'on est bon. Ouais, je crois qu'on est bon. Donc, on va ouvrir le cristal 3 étoiles ici. Il y a quelques 3 étoiles que je n'ai pas d'ailleurs, hein, qui pourraient bah, être des nouveaux. Il y a Proxima, donc, qui va être une nouvelle de toute façon, parce que je ne l'ai pas en 3 et pas en 4. Je l'ai qu'en 5. Donc ça, c'est le cristal de connexion de Proxima. Alors, la petite Proxima, eh bien ça sera la Proxima 3 étoiles, mais ça fait quand même un nouveau, ça fera quelque chose à monter pour les gains de niveau, mais également pour les utilisations de héros, donc voilà, c'est toujours bien. C'est toujours bien, ça fait monter le compte, qui se rapproche, mine de rien, qui se rapproche des 800 000, quand même. Petit à petit, mais on s'en rapproche. Ensuite, nous avons... attendez, non, 33, j'en ai même plus que ça. Il m'en manque, ah non, il m'en manque 8, c'est ça, des cristaux super-héroïques. C'est ça, il m'en manque 8. Est-ce que je vais avoir un nouveau? Eh non, que des doubles. Punisher qui n'est pas au max, 41, et les deux autres sont au max. Est-ce que je peux ouvrir un nouveau cristal? Ça va être léger. Je sens que ça va être léger, je sais pas pourquoi, hein. Normalement, 7 fois 55, normalement ça le fait si j'ai pas d'autres trucs. Parfait. Imaginez, j'avais un autre truc, un cristal de merde ou un truc, genre. J'aurais été dégoûté. Donc là, concrètement, j'ai. Donc il me faut 5 lots. Il me faut 5 lots, sachant que j'en ai déjà un de sûr. Donc il faut que j'ai potentiellement. 3 doubles et dont un que j'ai déjà au max. Sachant que j'ai eu Void en cristal, en VS d'ailleurs. Hein. J'ai fait 3 millions 4, un truc comme ça, et je l'ai eu. J'ai. Ouais. Voilà, donc je l'ai eu. Assez content. Oh non! Il me donne un nouveau, le con! Bon bah, Sentinelle. Ça me fera un VS de moins à aller chercher. Ça sent mauvais. Donc là, il faut que j'ai deux doubles à 99. Ça me paraît vraiment utopique, hein. Ça me paraît ultra utopique. Mais bon, je pouvais pas savoir que j'allais avoir un nouveau, hein. Très franchement, il y en a tellement peu que j'ai pas. Le fauve qui n'est pas au max, malheureusement. Qui n'est pas au max. Qui doit être à 40 ou 60, mais pas plus. Ouais, 40. Ouais! Et bah voilà, cette vidéo sera en deux parties du coup. C'est dommage, hein. Les soldats de l'hiver qui n'est pas au max non plus, hein. Décidément, il y a des fois où il faut qu'ils me les donnent au max et là, ils me les donnent pas. C'est relou, hein. Ouais, là, on n'a pas de chance. On n'a quand même pas de chance parce qu'en vrai, sur trois cristaux, on n'a eu que deux lots du coup. Du coup, on n'est pas bien. En vrai, il nous manque deux lots. C'est... Ouais, c'est pas ouf, hein. Concrètement, là, je vois pas comment je vais pouvoir m'organiser. Mais il va falloir, de toute façon. Il va falloir parce que il faut que je vous tourne un petit super opening pour les... pour pendant mes vacances, quand même. Peut-être avoir un petit 4 étoiles dans les super... dans les cristaux du jour dans la collectable. De toute façon, je la tourne ce soir. Ouais, je la tourne ce soir, donc de toute façon... Donc on va ouvrir ce petit cristal de compétence max. Voilà, donc déjà on en a 275 en plus. Il nous en manque 500. Voilà, bah on se retrouve tout de suite pour le cristal 5 étoiles du coup. Parce que je crois que je n'ai plus rien. Voilà, je ne pourrai plus rien vous ouvrir qui pourrait potentiellement m'en donner. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la fin de cette... Ah mais j'ai pas ouvert les cristaux de QA, attendez. Attendez. Bon, ça va rien changer hein, pour notre histoire, mais bon, quand même, on va les ouvrir. Un petit tech.
Un petit basique, non, qui se forme. Voilà, un petit basique qui se forme. Quand même. Et du coup, on va ouvrir les cristaux de QA6. Après, ça dépend avec les VS. De toute façon, si avec les VS, j'arrive à avoir assez haut. Bien, ça. Bien, je suis bientôt à mon quatrième. Ok, génial. Génial. Ça dépend parce qu'en fait, avec les VS, si j'arrive à bien gérer mon truc, normalement, je dis bien normalement, je devrais être pas mal en termes d'éclat et de pouvoir vous tourner l'épisode de Cristaux Super-Héroïques et du coup le Super Opening. Enfin voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, on se retrouve rapidement pour. Ben non, pour la suite. Enfin, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo avec la fin. Excusez-moi, je me suis emballé. Mais du coup, on se retrouve et moi, du coup, je tournerai cette vidéo, bah, je pense, demain, du coup. La suite de cette vidéo. Et du coup, pour le cristal 5 étoiles. On se retrouve tout de suite pour celui-ci. Allez, on se retrouve du coup pour l'ouverture du cristal 5 étoiles. Donc finalement, j'ai pu l'ouvrir très rapidement après parce que j'avais complètement oublié qu'il y avait une GA en cours. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais pas dû tourner la vidéo. Voilà, c'est moi qui étais bête, hein, j'aurais pas dû tourner la vidéo avant d'avoir terminé cette GA. Voilà, qui était plutôt bien partie en plus. Enfin voilà. En tout cas, le petit cristal 5 étoiles, donc j'espère avoir du nouveau, ça pourrait être bien, parce qu'on a beaucoup eu d'éveils ou de doubles, de mauvais doubles, donc notamment Iron Man, Fléau et Rocket récemment, donc ça serait bien d'avoir un petit nouveau, quoi, un petit nouveau, pas forcément ultra cool, mais un petit nouveau, ça pourrait être cool. Allez, c'est parti. Oh non! Je me disais, ça va aller sur Taskmaster. Oh, mais chier, merde, quoi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que Sentry, je l'ai déjà en R5. Donc, je vais pas le monter en 5R3. Et j'augmente pas mon nombre de 5 étoiles. Et ça augmente plus. C'est malheureux quand même. Kabam veut plus me donner 5 étoiles. C'est un fait. Kabam ne me donne plus de nouveaux 5 étoiles. Le dernier, c'était Venom, et ça commence à remonter quand même. Hein. Ça commence à bien remonter. J'irai voir d'ailleurs, parce que ça commence à remonter quand même. Hein. Vraiment. J'irai voir. Bon, ça me fait des éclats 6, et au moins, c'est pas un qu'on a déjà éveillé. C'est un éveil, au moins. Mais bon, c'est quand même chiant. Hein. Je suis pas spécialement heureux hein, de doubler Sentry. Mais voilà. J'ai envie de vous dire, c'est moins pire que si j'avais éveillé encore plus. Mon Rocket, ma Kamala ou ma Electra par exemple. Enfin, voilà, peu importe. Enfin voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc les deux parties en tout cas. Et bah, du coup, on va se retrouver rapidement pour un super opening. Donc avec bah, la fin de la collectable. Donc je le tournerai donc la semaine prochaine. Donc déjà, il faudra que je termine la collectable. Donc ça va arriver dans une semaine un peu. Enfin, ouais, une semaine. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais ça arrivera dans un peu plus d'une semaine. Enfin voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve rapidement pour de nouveaux super openings et de nouvelles vidéos de tout type. Allez, salut, à la prochaine.